Hey, salut les mecs! Alors là, je suis super content, c'était pas prévu dans le gameplay, mais vous avez sous les yeux ma première bombe nucléaire sur MW2. Alors, je suis super content parce que juste avant, je venais de rater deux fois ma bombe nucléaire à 24 kills. Je vais tout de suite remercier car le gameplay est assez court, 2 minutes pour une bombe nucléaire. Pour moi, c'est ma première bombe nucléaire. Bon, vous allez me dire, machine de guerre et je campe un petit peu. Ok, mais bon. On va pas faire son difficile quand il s'agit de Cornette et de son noobisme à toute épreuve. Donc je voudrais remercier les deux personnes que vous voyez en bleu, à savoir Clément et Romain, qui m'ont beaucoup aidé, car les membres de ma team, à savoir deux membres de ma team, s'amusaient à me faire rage quitter en se mettant dans l'équipe d'en face, et me tuer avec leurs boucliers et détruire tout ce qui était hélico. Donc j'en ai eu marre, on a quitté, puis ils ont voulu m'aider, donc je les remercie énormément. Comme le gameplay, le fait que j'ai une bombe nucléaire est assez exceptionnel, je vais quand même le demander à Code QG, ça me ferait pas de mal, ça me fait un peu de répit avant ma vidéo 2000 abonnés, surtout que j'ai pas le temps de vous faire ma vidéo sur Moon pour l'instant. Donc voilà, ça me fera un petit coup de pub, et puis voilà, même si je sais que les abonnés de Code QG ont l'habitude de gameplay énorme, c'est pas un gameplay énorme, c'est une bombe nucléaire assez rapide avec deux techniques que j'ai vues sur la chaîne de Monsieur le V12, à savoir les boucliers qui m'aident et machine de guerre. Donc j'ai aucun mérite là-dessus, j'ai juste eu le mérite. J'ai pas eu le mérite en fait, on va pas continuer là-dessus. Vous voyez que mon Harry va faire un très joli massacre. Après j'ai plus grand-chose à faire, hein, on va le dire tout de suite. Ça passe clean une fois que les gens sont dehors et qu'il y a des gens pour te protéger parce que juste avant, ce que je vous dis, je suis mort à 24 parce qu'il y avait un mec qui m'avait coincé derrière, j'étais dans mon hélico. Et il s'amusait à me teabag derrière, et au dernier moment, il m'a dit, il m'a cut. Et je soupçonne d'ailleurs un membre de ma team d'avoir fait ça. On ne sait pas encore qui c'est, j'ai pas encore regardé la vidéo, mais bon, j'ai pas envie de m'engueuler encore plus avec ma team, donc je vais pas chercher à plus loin. Vous voyez que la bombe nuque est assez rapidement, voilà, là, le mec à gauche, voilà, ça, c'est fait. En 2 minutes 20, donc je suis extrêmement content, en plus elle a été rapide du premier coup. Donc là, on va s'amuser à tirer partout. Au début, je voulais pas la lancer, je voulais continuer à faire une partie assez bonne ou jouer au snipe pour le fun. Puis après, ils m'ont dit, mais non, balance-la, fais ton mec stylé à tourner sur toi-même. Enfin, même si je trouve pas que ça soit stylé de faire des tours sur soi-même. Enfin bref, j'espère que le petit gameplay vous aura plu. J'espère le proposer et que Code QG l'acceptera. On se retrouve pour la prochaine vidéo, donc ma vidéo 2000 abonnés qui dure 1 heure et que j'ai pris pas mal de temps à gérer. D'ailleurs, j'ai bien ri et je pense que ça vous fera bien rire. Le gameplay est terminé. Je suis bête parce que j'ai oublié de couper la vidéo. Je vais devoir recommencer. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et pas trop de pouces rouges, même si c'est de la machine de guerre, s'il vous plaît. Salut les mecs.